Bref, moi c'est Capitaine Litchi, vous savez déjà, on va démarrer une nouvelle série les gars de vidéos aujourd'hui. C'est quoi une série de vidéos? Une série de vidéos c'est plusieurs parties de vidéos où on va faire des choses. Où on va construire le super motard le moins cher de France. Et là, c'est parti, parce qu'en gros, le moins cher de France, ce YouTube, c'est un YouTuber qui l'a fait, et il a mis 5 000 € dessus pour le construire. Du coup, nous, on va essayer de le faire pour 3007, parce que j'ai trouvé un épave sur les bons coins. C'est un 450 XC du 2010 pour 400 €. C'est un épave, le machin. Du coup, on va le chercher. Vous venez avec moi, Capitaine Rondo, il va venir avec moi. On va aller chercher Capitaine Morgan aussi. Bref, et c'est parti. On va aller chercher déjà la moto. Premier épisode, ça y est, j'ai trouvé la moto, c'est un épave. Je vous le dis déjà, la vérité, c'est un épave. 400 € de moto, et elle est détruite la moto, c'est une épave. On va aller la chercher. De toute façon, on s'en fout, on va la passer en super motard, parce que là, elle est en enduro. Bref, du coup... C'est parti, on va aller chercher la moto. Je vous ramène avec moi. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il faut acheter pour la réparer. Parce que c'est vraiment un épave, vous allez voir. Attends, l'équipe, avant de partir, je vous montre comment on met la nance. Comme ça, on va voir l'avant et après de la moto. La moto, oh putain, la moto, c'est celle-là. C'est un 450 XC. On a en enduro, vous voyez les pneus, machin, c'est en enduro. La moto, c'est un épave, comme je vous ai dit. Mais bon, bref, on va toute la modifier, on va tout changer dessus. Et voilà, vas-y, c'est parti, les gars. Bon voilà l'équipe, l'épave elle est là, 400 balles hein, on va pas chercher à comprendre hein, c'est bon, on la prend, c'est bon. Et bah tiens, on va lui déjà mettre un coup de nettoyage parce que elle est vraiment sale. L'entretien zéro, l'ancien propriétaire franchement elle a rien fait dessus. L'entretien zéro frérot. Vas-y mon frérot, on lui met un coup de nettoyage de zéro. Juste histoire pour vous dire à quelqu'un, je vais commencer à travailler dessus, je me salis pas trop les mains. Et voilà l'équipe. Allez, c'est parti. Elle est neuve l'auto, la moto, pas l'auto, elle est neuve. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laves les mains sur la moto? Ben oui, mais... Vas-y, barre-toi de là, là. Mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? T'as les mains sales là. Elle est neuve l'auto, la moto, elle est neuve mon copain, elle est neuve. Bon, c'est pire de ce que je pensais. Parce que plus de temps il passe. Et plus, je trouve des choses à changer. Venez voir. J'ai failli tuer ma caméra. Ok. On a du coup tout le kit plastique, les gars. À changer tout. Il n'y a pas un truc qui va bien sur la moto. Niveau plastique, il y a tout qu'il faut changer. Tout. Après, on a les cale-pieds. Surtout de ce côté-là. Il est cassé à moitié. Après, on a un guidon tordu. Là. Sur le scotch, je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Je sais pas pourquoi il y a un scotch. Mais on va le voir tout à l'heure. Après, niveau kitchen. Ouais, tout le kitchen, il faut changer. Kitchen, pneus, jantes. Jantes à l'avant aussi, les voilées, elle est tordue. Ça se voit. Elle est tordue. Bref, voilà. Il faut vraiment tout changer sur la moto. Il y a juste le cadre et le moteur qui est bon. Sinon, tout le reste, on va tout changer. Notre budget, c'était 3700 euros. On a acheté la moto 400, il nous reste 3300. Il faut changer jantes, pneus, kit déco, kit plastique, 4 pieds et guidon. Si je regarde là-bas, c'est parce que la moto, elle est là-bas. C'est pour bien réfléchir. Levier de frein, levier d'embrayage, etc. Franchement, ça va être serré, mais on va essayer de faire le meilleur. Non. Construire le super motard le moins cher de France. Il n'y a personne qui a fait ça. Il n'y a personne qui a fait un super motard à moins de 5000 euros. Et nous, notre défi, c'est 3700 euros. On va essayer d'arriver à faire un putain de super motard pour 3700 euros. Du coup, c'est parti. Commence à tout démonter. Je vais démonter les carénages, sel, réservoir, ligne d'échappement, tout le plastique. Et après, on verra après. Et putain, j'avais pas vu les gars, même le bouchon là pour la vidange, il est cassé. J'arrive même pas à le vider, à le desserrer pour vider le moteur, pour faire la vidange. Ça est cassé, ça il faudra le changer, il ressemble plus à rien. Là, tout, il y a tout à changer, vraiment. Même ça là, les gars, il est HS. Je sais pas si vous voyez, mais il est tout plié. L'eau, il circule même plus ici là. Ça, c'est mort aussi. Putain, il y a tout qui est HS. Même niveau électrique, câble coupé, et ça c'est le feu stop ça, le câble il est coupé, câble, allez, poubelle. Le phare, on en parle du phare, il n'y a même plus de phare Navalo, il n'y a même plus d'ampoule. Pouah. Bref, je pense que pour 3700 euros c'est mort, on n'arrivera jamais à faire un super motard à 3700 euros. Mais bon, on a une marche, ça va nous ralentir, mais on va quand même arriver à faire le super motard le moins cher de France. Parce que le moins cher de France, il est à 5000 je crois, sur YouTube, les gens ils ont fait, un YouTuber il a fait un super motard à 5000 euros. Il a mis 5000 euros pour le faire. Nous on va essayer de... Je voulais essayer pour 3007, mais c'est impossible les gars, il y a trop de choses qui sont cassées, câbles coupés, etc. On va essayer de... C'est de 4002. On va essayer, c'est un défi, c'est un gros défi. Hein, parce que c'est un gros défi, les gars. Il y a voilà le boulot. Ça, il faut changer. Ça, kitchen, pneus, jantes. Pas là, 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 là. Batterie neuve, faut acheter une batterie neuve. Il y en a du boulot, il y en a. Putain. Mais le truc qui me choque le plus, c'est ça. C'est ça qui me choque le plus. Wesh. Bon l'équipe, on arrive à la fin de l'épisode 1. Du coup, on a dépensé 400 euros. Il est où le café? Putain, il n'y a même plus de café ou quoi? Laris! Et le café? Laris! Dove le café?
Etchald. Alors comme je vous disais, on a dépensé 400 euros de moto. Du coup la moto ça nous revient 400 euros pour l'instant. J'ai acheté un kit plastique à 110 euros à peu près. Je vous affiche ici les images, les captures d'écran. 110 euros, 120 euros de kit de plastique je crois, tout en noir. Et après j'ai acheté l'huile. Par contre l'huile je me suis fait par 24MX. Je l'ai acheté à 53 euros alors que Action, chez Action ça vaut 10 euros la même bouteille d'huile. Bon il y a 3 filtres, tu vois je peux faire 3 niveaux d'huile. Mais bon je me suis fait par 24MX. Bref j'ai acheté l'huile, les kits déco. Non, kit plastique, pas le kit déco, pas encore le kit déco. Après j'ai acheté des filtres à air, filtres à huile. Bon voilà, tout ce qui s'affiche sur l'écran quoi, j'ai acheté tout ça. Après sur AliExpress j'ai passé une autre commande. Une autre commande, j'ai acheté un logo Krapovic et un logo WP. Bref, voilà, sur AliExpress, j'ai pas commandé des trucs dangereux, on va dire. Moi aussi, je vous conseille d'acheter sur AliExpress les choses qui sont pas dangereuses pour vous. Par exemple, les trilliers de frein, vous allez pas l'acheter sur AliExpress. Hein. Attention à vous. Hein. En gros, des autocollants, des poignées. Des plastiques, tu vois, des trucs comme ça sur l'Express, d'accord. Mais achetez pas des trucs importants pour la moto, quoi. Pour vous, pour votre sécurité. Faites très attention, l'équipe. Bon, l'équipe, c'est vraiment la merde. Je m'attendais pas à la moto dans cet état-là. Parce que la moto, je disais, c'est une épave, mais c'est vraiment une épave à 100%. Même le bouchon de vidange, j'ai cassé, normalement. Même le bouchon de vidange. Incroyable, c'est incroyable. Quatre pieds droits cassés, le radiateur cassé, et tout trié de tous les côtés. Bref, bref. Si Dieu le veut, on va arriver à dépenser gros max 4000 euros et on va voir un super motard le moins cher de France. 4000 euros. En espérant bien,